Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Et de boucler certains sons avec l'artiste Chris Brown. Et voilà, ça se passe. On a fait ça au Mexique parce que c'est une des villes où lui et moi on pouvait se rencontrer sans problème avec tout ce qui se passe en ce moment. Et donc voilà, je peux pas en dire trop, mais en tout cas tout se passe bien et de belles choses arrivent. Il paraît, j'ai vu qu'il y avait un duo en préparation avec Chris Brown qui va sortir bientôt. Ouais, qui est déjà fini. On en a même fait deux. Et pour la sortie, j'ai pas de date encore. Et mais ouais, c'est déjà fait. C'est là, c'est dans le téléphone. Ça, c'est la classe quand même, Chris Brown. C'est super lourd. Moi, je suis vraiment content. Je suis vraiment fier de ça. Chris Brown, c'est un peu une légende du R&B. Mais il a un peu tapé Rihanna quand même. C'est vrai, mais là on parlait musique. on parlait non mais moi qui connais rien à la musique, je le connais pour ça. Ouais, bah oui, la plupart des gens le connaissent pour ça, pour son erreur, mais voilà, moi c'est surtout pour sa musique, la musique qui comment ça qui s'est fait la rencontre avec Chris Brown? Ben en fait on a c'était la nuit. C'était la nuit en plus quand il m'a appelé, en tout cas c'était la nuit. Et en fait il a des managers à lui qui sont sénégalais et donc qui m'écoutait, qui m'écoutait régulièrement, et donc c'est ces managers là qui ont fait le lien. Et puis il y avait d'autres gens qu'on avait en commun qui voulaient absolument qu'on pose ensemble, donc et vous l'avez vu en vrai ou alors c'est oui, ouais, ouais. Je l'ai alors il est comment rencontré. Il est américain. Dans le sens too much ou dans le sens grande classe? Non, c'est un bon gars. C'est un bon gars, Chris Brown. C'est un bon gars. C'est juste. Ils sont dans un autre délire. Ils sont dans un autre univers. Ils se la pètent plus que les Français. Non, ils se la pètent. Ils sont pas Oasis Tropical Chipslice, quoi. C'est ça. C'est quoi? C'est le camion d'Oasis, quoi. Ils sont pas très Oasis Tropical. Ils prennent quoi? Du de l'alcool, Ouais, après c'est un truc d'artiste en général. Apparemment c'est moi qui suis pas très artiste. Apparemment les artistes doivent pas boire d'Oasis Tropical. C'est bah. Avec de l'alcool, très mélange. Mais non, cas, mais il est très dans la drogue. Il est très inspiré, on va dire. Elle essaie de vous faire dire des trucs. Il est très inspiré dans la drogue. Bon, ça, le duo, il est parti là. Te laisse pas piéger. What did you say? I heard you say. Mais c'est vraiment un bon gars. C'est vraiment un bon gars qui est là. Il est créatif. Il est créatif. Il essaye d'accueillir. Mais vraiment, il est super créatif. C'est-à-dire, il dessine sur les murs et tout. Ah ouais. Ouais, il dessine sur les murs parce qu'il kiffe le dessin. Il a envie de tout faire, il a envie de tout essayer. Donc il vient dans le studio, il se bourre la gueule, il s'est sur les murs. Super. C'est donc, américain. Donc, ouais. Donc voilà. C'est, et vous parlez anglais, Dadju? Bah ouais, j'y arrive maintenant. Ça fait comment, Dadju qui parle anglais? Non, on va pas faire il est trop tôt, ça. Il est trop tôt. On va pas faire ça. Ouais. Hello, I'm really happy to see you. I love what you do at the job. Là, il est en train de se dire finalement, je suis bilingue. Hein. Quel accent. Il a pas mal l'accent quand même. Yeah, I love it. Souvent moqué, mais jamais égalé.